Célèbre game designer, Yuichi Hiroshi commence sa carrière chez Konami en 1989. Il travaille sur un certain nombre de jeux d'arcade, comme ce qui est à ce jour la meilleure version des Simpsons, The Simpsons Arcade Game. En 1992, Yuichi-san et un certain nombre d'employés de Konami, comme Maegawa Masato et Hanzawa Norio, prennent leur baluchon et s'en vont former une nouvelle compagnie, Treasure. Premier jeu et premier succès critique, Gunstar Heroes sort sur Mega Drive en 1993. Après Yu Yu Hakusho, Alien Soldier et Light Crusader, Yuichi quitte Treasure pour Time Warner Interactive. Son histoire avec Warner tourne au vinaigre, il s'en va après 2 ans, peu en phase avec les pratiques de l'entreprise. Il est alors réintégré à Treasure et commence un nouveau projet en tant que directeur, Radiant Silver Gun. Que reste-t-il alors de son travail pour la Time Warner Interactive ? Il ne reste qu'un jeu issu de la collaboration entre Yuichi Hiroshi et Time Warner Interactive. Shinrei Yusatsushi Taromaru, souvent traduit par Psychic Killer Taromaru. Très rare, le jeu n'a été tiré qu'à 7500 exemplaires, d'où son statut quasi mythologique d'œuvre obscure. Sa cote exorbitante ne facilitant pas sa diffusion dans le rétro gaming, que vaut vraiment Taromaru ? L'histoire de Taromaru n'a strictement aucune parenté avec Marcel Proust, sur le fond comme sur la forme. Tout tient sur un ticket de métro. Le Japon féodal vit une période de troubles. Le ninja Taromaru voit sa fille se faire kidnapper par des forces du malin. Son enlèvement n'est pas un cas isolé, puisque c'est toute la gent féminine qui est embarquée dès la séquence d'introduction. Notre héros, ce tueur, part donc arracher sa fille à ses ravisseurs. Dans sa quête, le bonze Enkai peut l'épauler, prétexte à une aventure à 2 joueurs simultanés. Bon, Taromaru ne brille pas par sa narration et son intrigue, mais Yuichi est avant tout un conteur taille pixel et manie le langage du jeu. Ainsi, la première surprise, c'est l'absence du découpage en stages. Taromaru n'est qu'un seul stage à lui seul. Cette découpe s'avère être un exercice périlleux. Comment varier les phases de jeu tout en restant cohérent ? Du début jusqu'à la fin, on tourne autour du village qui s'avère être un excellent argument pour varier les environnements. Taromaru doit se frayer un chemin à travers forêts, rivières, plaines, rues embrasées, châteaux. Cette diversification des lieux autorise en outre à Yuichi et son équipe une grande liberté dans le game design. On peut dire qu'ils ne se sont pas privés. On retrouve aussi tout le soin qu'Yuichi peut apporter au game design par l'extrême variété des séquences de jeu et l'inventivité du gameplay. Moins subtil que dans Radiant Silvergun ou Ikaruga, les boss sont tout de même de beaux exemples de la créativité des développeurs. Par exemple, cet affrontement contre un samouraï dont l'âme se faufile dans l'un des compartiments de l'armure. Pour l'atteindre, il faut toucher la partie où se cache précisément l'âme. Le gameplay de Taromaru est aussi original. Exploitant sur la forme le filon du registre Japon féodal, ninja et samouraï, il s'en dégage sereinement. Les deux protagonistes n'ont ni katana ni autre shuriken, mais seulement leur force psychique pour progresser. D'où le titre anglais du jeu Psychic Killer. Enkai possède une allonge psychique plus importante, mais Taromaru est plus puissant. Avec un système de verrouillage, vous choisissez votre cible et lui lancez des sortes de décharges. La première lave le cerveau de vos ennemis qui se rangent alors à vos côtés. Impossible toutefois de créer une armée pour vous protéger, vous n'avez le droit qu'à un seul allié. Cette commande est donc peu utile en soi, la seconde décharge quant à elle est offensive. A cela s'ajoutent d'autres commandes, un dash pour esquiver ainsi qu'un bouclier indispensable pour maîtriser Taromaru. Cette mécanique rappelle celle d'un rail shooter comme Sin and Punishment. D'une part on lock, de l'autre on esquive tout en maintenant son attaque. Ce qui permet de garder à la fois un œil sur l'offensif et le défensif sans s'en mêler les pinceaux. D'autant que les situations peuvent se complexifier et engagent le joueur à faire des choix stratégiques. Heureusement, le système de verrouillage est efficace et l'on peut changer instantanément de cible en pressant les gâchettes de la manette Saturn. Ce boss par exemple met à contribution cette fonction. Il faut lui envoyer des flammes qu'il peut lui-même intercepter et vous renvoyer. Dans cette partie de ping-pong, il va falloir être plus rapide que lui en le mitraillant de flammes à l'aide du système de lock. Le jeu est donc bien dans une logique très arcade, il y a du par cœur et un appel au score. Il faut donc bien appréhender les mécaniques de Taromaru pour en tirer toute sa profondeur. Car le seul reproche que l'on pourrait lui faire, c'est sa durée de vie, à peine une petite heure. Ce qui est considérable pour un titre arcade, mais maigrelet pour un jeu sur console. N'oublions pas qu'il s'agit là d'un portage STV sur Saturn, donc d'un titre pensé à la base pour une borne. Lorsqu'on demande à Yuichi d'où lui est venue l'idée de faire Radiant Silver Gun, il répond placidement « j'avais envie de faire un shoot ». Taromaru concentre déjà quelques points que l'on aperçoit dans ses shoots postérieurs et plus généralement dans les productions Treasure. On retrouve dans Taromaru des boulettes suicides renvoyant tout droit au shoot, d'ailleurs le jeu de Warner concentre beaucoup de boulettes pour un jeu d'action plateforme. Car oui, il y a un certain air de shoot.
Par exemple, votre attaque n'est pas en auto-fire. Il faut donc marteler le bouton afin d'optimiser votre vitesse de tir, un art qui rendit jadis célèbre un certain Takahashi Meijin. La balance entre le bouclier et la charge lorgne entre le R-Type, ou les shoots plus contemporains à sa sortie. Le timing est donc très important, et devient progressivement naturel, en particulier dans la gestion du bouclier qui permet aussi de se stabiliser en l'air. A l'instar d'un shoot, il faut donc temporiser l'action et compter sur vos seuls réflexes et habiletés. Idem, on fait des sortes de chaînes, notamment quand des lignes ennemies traversent l'écran. Bien sûr, Talomaru n'est en aucun cas un shoot, mais on remarque déjà des idées empruntées qu'Uchi affirme ici et sublimera par la suite. Dans son jeu suivant, Radiant Silvergun, il reprend quelques principes issus de Talomaru. L'absence de stage véritable, l'enchaînement de boss, et la balance faite entre l'action et le puzzle. Un équilibre entre gameplay et game design. Les références de Psychic Killer ne sont que partiellement issues du shoot. On pense par exemple à Mystic Defender, sorti en 1989 sur Mega Drive, dont l'univers et le gameplay pourraient être une source d'inspiration. Le héros évoluait dans un Japon matiné de culture païenne, avec pour arme un tirme lointain ainsi qu'une charge. Mais la filiation avec Alizia Dragoon de Game Art, sorti en 1992 également sur la 16 bits de Sega, est encore plus évidente. Dans ce jeu d'action, le joueur bénéficie également d'un système de verrouillage, élément de gameplay rarissime dans un jeu d'action à défilement horizontal. La réalisation est aussi l'une des plus fines sur STV. Les concepteurs n'ont pas été trop gourmands dans l'affichage 3D et l'utilisent à bon escient. Aujourd'hui encore, c'est d'une remarquable fluidité, et les décors vieillissent comme un bon vin. La musique étouffe sournoisement l'intensité de l'action par son calme rigoureux. Du petit lait donc, aussi bien remarquable sur le plan technique qu'artistique. Le jeu est aussi bien gore, mêlant effets sanguinolents et joyeuses explosions d'entrailles à ciel ouvert. Loin du Japon bucolique, ici tout est favorable aux ambiances malsaines. Vous entrez par exemple dans le ventre d'une grenouille géante, fraîchement morte et déjà grouillante d'infections et de vers affamés. Talomaru jouit d'un level design particulièrement innovant. Si aujourd'hui la 2D ennemie s'est bien installée, à l'époque, faute de véritables modèles, Iuchi avait su faire preuve d'une grande inventivité. Se débarrassant des règles traditionnelles du genre codifié de l'action ninja, le game designer japonais allait transgresser les assises et poser les bases du renouveau de Treasure. Après Gradius 5, son dernier jeu pour la célèbre firme, Iuchi quitte la maison pour devenir indépendant. Il continue tout de même de travailler avec ses anciens de Konami, notamment sur le portage d'Ikaruga pour le XBLA.